75% de cacao, il faut du beurre, il faut des jaunes d'œufs, il faut du sucre, des œufs entiers et de la farine. Voilà, alors, pour faire la composition de ce moelleux, c'est très simple. On prend un cul-de-poule, pourquoi ça forme d'un cul-de-poule. On prend également un bain-marie, donc une casserole dans laquelle on met de l'eau, qu'on va mettre sur une plaque. Dans ce cul-de-poule, on met le chocolat qu'on va faire fondre. On met également le beurre qu'on va faire fondre au bain-marie, c'est-à-dire dans une eau frémissante, de façon à ce qu'on n'ait pas le contact direct de la chaleur. Donc ça, on met au bain-marie. On le met directement sur une plaque à induction, à chauffer, tout dans un cul-de-poule ou dans un saladier. On met les œufs entiers, les jaunes d'œufs, directement, le sucre, voilà. Et on va remuer énergiquement de façon à avoir ce qu'on appelle un sucre blanchi aux œufs. Donc voilà, on se fouette, on fouette, on fouette, on fouette, on fouette. Voilà. C'est blanchi. Vous voyez cette couleur blanche mousseuse. On incorpore la farine. Voilà. Et là, on l'incorpore tout doucement, façon à ne pas former de grumeaux, de l'extérieur vers l'intérieur.
Voilà. Maintenant, on va incorporer ce chocolat directement avec l'ensemble de l'appareil. Voilà. Il faut bien bien racler. Voilà, il ne reste plus rien au fond de cette boule. Le chocolat, c'est très bon, mais c'est cher. Il ne faut rien laisser. Et voilà, regardez cette belle couleur. Écoutez, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Là, on a incorporé le chocolat dans l'appareil. Et tout doucement avec ce fouet, on remue l'ensemble de façon à ce qu'il y ait un appareil qui soit complètement homogène. Voilà. Voilà. Regardez un peu cet appareil qui est merveilleux. Bah écoutez, le moelleux au chocolat est terminé. L'appareil est prêt. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le mettre au frais pendant 2-3 heures, de façon à ce qu'il prenne. Et ensuite, on va le mettre dans une poche et puis monter ses cercles. Voilà, notre appareil est prêt. Hein. Prenez des moules en cercle, comme ça, en inox. On trouve partout, à Paris particulièrement, rue Montmartre, où il y a tous les grands magasins professionnels. On badigeonne l'intérieur avec du beurre. On prend du papier sulfurisé. On découpe en rectangle, on badigeonne également avec du beurre de façon à ce que l'appareil puisse se décoller facilement après cuisson. Et on dressera ça sur une plaque, comme poche plastique jetable. On l'ouvre comme ça, tout simplement. Hein, on écarte bien l'intérieur. On ramène les bords parce que des fois, lorsqu'on remplit, c'est peut-être amené à tomber. Donc pour éviter que ça tombe par terre, au moins ça tombe sur les bords. Et puis avec une corde, l'appareil est bien figé après 3 heures de réfrigérateur. On va remplir cette poche, tout simplement. Donc voilà, on remplit la poche, comme ça. Voilà, une fois qu'elle est remplie, presque remplie, il suffit simplement de prendre le haut, de tourner comme ça, et puis progressivement de l'emmener au bout. Alors là, si ça bloque, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'air, mais de toute façon, on va couper légèrement en pied, à peu près de cette grosseur, avec une paire de ciseaux. On coupe, voilà. On continue, maintenant il y a de l'air, vous voyez, ça vient tout seul. Voilà, l'appareil est prêt. Et maintenant, il y a une façon très simple de remplir nos cercles. On commence par le centre, au fond, et progressivement, on pousse, on pousse, on pousse. Alors c'est sûr que quand l'appareil est bien pris, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Jusqu'aux 2/3. Une fois que c'est fait, on tapote légèrement. Voilà. Là, le cercle est monté. On remet tout ça au frais. On attend une petite demi-heure. Et ensuite, on va le mettre dans un four à 180 degrés, c'est-à-dire thermostat 6-7, pendant exactement 10 minutes. Le moelleux au chocolat. Il sort du four, cerclé. Alors comment on procède? Bien, tout simplement, voilà, ça s'enlève facilement. Pourquoi? Parce qu'on a beurré l'intérieur. Il est prêt, on enlève le papier, on le dresse sur une assiette avec une quenelle de glace vanille.
Maintenant, on va déguster ce fameux moelleux au chocolat avec toute mon équipe derrière. Merveilleux, Ingrid, un beau moelleux au chocolat. Voilà, merci. Avec une belle glace à la vanille. Et puis avec ça, eh ben, on déguste un masse à miel vintage 2005 de la région de Collioure. On va se régaler. Bonne dégustation. L'équipe de Michel H vous attend au restaurant 16 Haussmann, 16 boulevard Haussmann, Paris 9e. À très bientôt. I'm